Salut les mecs, c'est Cornette Python 357 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de ma série sur Crisis 2. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, tâchez de le faire. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette vidéo? Eh bien, je l'espère en tout cas, c'est la dernière vidéo que je fais sans mon ordinateur portable qui finalement, comme je l'ai dit à certains, arrivera dans la semaine. Donc un très bon ordinateur portable, les conversations pourront se faire via Skype, donc un meilleur son, une meilleure qualité de vidéo et tout ça. Et on s'était quitté là. Donc je vais laisser parler. Je te transmets les coordonnées d'un endroit pas loin où j'ai installé un autre dispositif. Des surplus de Crynet que j'ai sorti des réserves en démissionnant. Et moins puissant que celui du labo, mais faudra faire avec. Encore? Non mais attends, c'est répétitif comme truc, hein. Moi-même, je dois l'ouvrir. Par contre, c'est joli ça. On descend? Ah, énorme! Quel bug! Laissez-moi sortir. Oh là là, toutes les armes! Mais je m'en fous, moi, de faire ça. Ok, ça c'était un étage qui servait à rien, j'ai bien l'impression. Qu'est-ce qu'il y a là? Des escaliers. Allons dedans. Hein. Qu'est-ce que... Et pendant que j'y pense, pendant qu'il n'y a pas beaucoup d'action, j'ai des grosses. Les grosses dédicaces à faire, enfin des grosses dédicaces, coup de pub, tout ça. Il y a quelque chose à faire, non? Donc tout ce qui est coup de pub et tout ça, je vais le faire maintenant. Donc je vais commencer par le premier qui me l'a demandé, alias Kevin. C'est deux graphistes, je crois, c'est avec son cousin si je me rappelle bien. Ils ont un forum et une chaîne Facebook, donc je mettrai les liens dans la description. Je pense qu'il faut appeler ça. Nya. Nya. Bon. Ok. Ah ok, ça fait mal, je vais pas mourir comme ça bêtement. Ouais, si on pouvait m'expliquer où je dois aller. Retrouver Nathan Ghoul. Ok, mais où? Je crois que je vais sortir par la fenêtre. Donc ils font des. Tout ce que fait un des graphistes. Hein, donc tout ce qui est logo, background. Minitage, montage. Je crois que ça se dit pas avec l'accent. Bon, ça serait sympa qu'il me laisse monter. Putain, punaise, pardon. Waouh! Voilà, j'ai réussi à remonter. On va passer par là. Après, deuxième, c'est la chaîne de mon ami et de mon conseiller attitré Atomic Space. Qui fait une. Enfin, d'ailleurs, maintenant, je crois que c'est Atomic Agony. Je me rappelle bien. Ouais. Comment ça? Allez, on sort par là. Voilà. Je crois que je m'en suis bien sorti là. On va passer par le pont. Ça passe. Oh mais c'est n'importe quoi. Genre tu marches sur un truc comme ça tranquillement. C'est une chaîne de team, donc ils vont faire, je suppose, des trickshots. Ça, je sais pas encore. Pour l'instant, ils ont pas fait de vidéo. Ils attendent les 100 abonnés. Donc si vous pouviez vous abonner à leur chaîne, comme ça, on pourra voir leurs trickshots et leur façon de faire. Donc en plus il y a Lorenzo dedans, hein, Lorenzo qui est aussi un très bon ami. Et enfin je terminerai par le dernier qui m'a demandé. Donc oula, il y a du peuple, alors je vais me mettre quand même comme ça. Il m'a pas vu. Tu m'as pas vu mec. Et ouais. Comment on rentre? Waouh. Ok. Voilà. Toi t'es mort. Voilà, toi aussi t'es mort. Donc le dernier, Julien Molina, alias Arbitreur, qui a fait le zombie sur Call of the Dead avec moi. Je sais pas ce qui s'est passé là. Enfin, il est où le mec? Le dernier mec, il est où? Je sais pas. Bon allez, on rentre. Nya, coup de pied boosté. Voilà. Qui fait lui aussi des vidéos commentées sur Black Ops et tout ça. Je crois pas qu'il est. Non, il a rien pour filmer, donc il filme avec son appareil photo, il me semble. Et donc voilà. Alors, voilà, tu me laisses. Voilà. Voilà, j'aime bien dire voilà. J'ai que ça en tête. Alors, des munitions. C'est pas des munitions. Bon, venez, on va faire ça. Camouflage activé. Voilà, tu m'énerves. Oh,
Me dis pas qu'on va le retrouver. On va le retrouver, mais jamais on va le retrouver. Donc voilà, j'ai fait le petit coup de pub. Je mettrai bien sûr le lien de tout ce que j'ai parlé dans la description, comme d'habitude. Nya. Il fait peur cet ascenseur. Ouah, je vois rien. Nanovision activée. Je t'ai battu. Tu me croiras pas si je te raconte tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Ah, bah si tu me racontes pas, je... Barclay, ces hommes se font pider. Crynet part en couille dans tout le reste de la ville. En gros, c'est la merde. Cool. Mais moi, je te crois. Oh, nous te voyons enfin. Oui. Bon sang, pas fâché de te voir. Je t'ai pas rassuré. Mais ouvre-moi la porte, connard. Dépêche-toi d'entrer. Qu'on referme les portes. Ouais, j'ai examiné le scan de cette espèce de spore que tu m'as ramené. C'est clairement viral. Exactement la même structure que la nanocombi. Je crois que Hargrave est cinglé de traiter ça comme du vulgaire. Kevlar. Là-dedans. J'ai installé un dispositif. Il est beau, enfin, identifié c'est joli. Qui était sur l'île, mais en un peu moins puissant. Si c'est ce que je pense, on en avait déjà parlé. Eh oui. Tara Strickland, la fille à qui tu sais, moi je trouve ça hallucinant. Et puis Hargrave, bon bah voilà, c'est Hargrave quoi. Connexion établie. Veuillez patienter. Je patiente. Ouais, il se sent plus. Ouais, je préférais quand t'étais loin de moi, toi. Il fait pédobir. Vous croyez qu'il est sous Linux? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Attends un peu. Tu n'es pas prophète? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Je suis Cornet, Python 357. Et bim, headshot. Ton ami, il est mort. Encore? Mon dernier tu vas me faire maintenant. Je peux plus continuer, j'ai plus la force. Hein? Je suis pas un gros dur à cuire comme prophète. Enfin... Ouais, c'est surtout moche. T'es barbu. Oh, saisir. Je vais lui balancer une plante. Oh non, on peut pas. Mais je fais quoi maintenant? Un télescope? Énorme. Oh ouais. Bon sang! J'aime les trucs de geek et les conspirations. Ah, énorme. Non mais il sert à rien ce truc là. Ah, bordel. Prophète était censé nous exfiltrer. Qu'est-ce que ça fait ça? Avant l'arrivée des Marines. Ok. Ah. Ça sert à rien, c'est quoi? Ah, c'est un microscope, je suis bête. T'es un expert en céphalopode? Oh, c'est énorme, c'est trop bon. Quelle question, bien sûr que non. Tu veux que je te fasse la version courte? Je peux pas saisir les objets. On se fait éclater dans les grandes largeurs par des calmars. C'est nul. J'ai demandé à quoi pensaient les Incas quand la variole est apparue chez eux. T'as vu la spore, pareil? T'as vu ce qu'elle fait? Prophète disait qu'il avait trouvé un remède. Laisse-moi passer. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que... Bon. Tiens, la combinaison que tu portes sur ton truc est faite d'un nanotissu semi-organique. Hop, on passe sur ça. Oh. Breveté par Hargrave Rash Corporation. Ouais, c'est Hargrave. C'est lui qui a conçu ça. C'est qui Hargrave? Prophète a été recruté pour porter la combinaison. Mais le problème, c'est que. Le problème, c'est qu'il s'est barré. Et après, quand il est revenu, eh ben, il était à moitié barge. Tu vois ça?
Ça, c'est une routine virale intégrée dans les couches profondes. C'est un code vivant, on dirait qu'il se... Il se reprogramme pour s'adapter à de nouvelles données. À un nouveau paramètre, peut-être. Moi, je dirais... que ce truc-là, ça doit être le biocode d'un vaccin contre les nanospores. Ouais, ça doit être ça. Il faut qu'on fasse décoder ce truc. Pas beaucoup d'action dans cet épisode. Mais, excusez-moi les deux. Je ne peux pas faire ça ici. J'ai pas assez de puissance de traitement à moins que... Oh, et merde, le seul endroit à New York pour faire ça, c'est chez Hargreaves sur Roosevelt Island. Le prisme. Et c'est un perpète. Ce serait du suicide d'y aller en ce moment avec tous les sèvres qui grouillent de partout. Oh! Non! Oh merde! Ils sont là! Et... Merde! Merde! C'est qui? Je vois pas où ils sont. Je peux pas tirer! On sort par où? Mais... Mais laissez-moi sortir. Tu viens, t'es mort. Voilà. Hop. Hop. Moi j'en fais toujours deux. Y'a plus personne. Oh, Marshall. C'est magnifique cette arme. On dirait espace douce. Wow! Non, moi je m'en fous, moi j'y vais à fond là. Même pas en rêve, je bouge pas. Il y a Nathan. Waouh! Oh magnifique. Oh c'est énorme ça. Dans les doigts. Dans les yeux plutôt. Très jolie cinématique. J'aime beaucoup. Et j'ai eu mal par contre. Ah ok, carrément. Alors, j'ai vraiment eu mal. Il y aurait eu un minimum d'action. En tout cas, j'aime bien le Marshall silencieux. En tout cas, dans les petits endroits comme ça. Alcatraz, je me suis arrangé pour intercepter des transmissions du SEL. Ils allaient t'escorter jusqu'à un central de commandement du côté de Wall Street. Je connais l'endroit. À tous les coups, ils y ont installé une nacelle d'analyse. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne ta combi. La sécurité risque d'être renforcée. Mais il y a un tunnel d'évacuation qui passe sous la rue. Ramène-toi à l'église de Wall Street. C'est là-bas que le tunnel débouche. Passe par les toits. C'est plus prudent. On se rejoint là-bas. Waouh, je vais passer par des toits. Comme sur Gears of War. J'aimais bien les toits sur Gears of War. Alors, qui passe ça dans la maison et... Écoute, le sel s'est massivement déployé autour du poste de commandement. Les chefs ont dû leur coller une sacrée frousse. Continue vers l'église. Voyons si je peux t'aider à contourner la sécurité. C'est très joli. Pour l'instant, je fonce. Hein. Je veux pas perdre du temps à décider aussi. Méfions-nous quand même. Nous ne sommes pas seuls dans ce pays. Est-ce qu'on peut passer? Non, je pense pas qu'on puisse. Ouais. Si on leur tire dessus, ça fait quoi? C'est par où? Logiquement, c'est par là-bas.
Est-ce que je peux? Non, je ne crois pas. Très risqué comme truc, hein. Je sens que je vais descendre petit à petit. Waouh! C'est énorme. Vous avez vu, j'ai fait un truc de malade. Par contre, je suis plus sur l'étoile. Et ben. Tiens, moi je suis un vandale. Là, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Hop. Oh. Laissons-les se débattre tout seul. Ya, y a des aliens. Tu m'as pas vu, alien de mes deux. Ah si, tu m'as vu, alien de mes deux. Eh, laisse-moi rentrer dedans. Et hop, on se cache. Impossible de passer le droit de contrôle. Il ferait mieux de le contourner. Oui, mais contourner par où? Contournons-le. Par où? Telle est la question. Par là, c'est pas une question, c'est pas une... Protégeons-nous. Voilà, hop, on repart. Ouais, non, pas bonne idée du tout. Faut contourner par là-bas alors. Cachons-nous. Attention, 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 attention. Mais merde, tu m'as pas vu, connard. Toutes les rues ont l'air d'être condamnées. Voyons si tu peux passer à travers un de ces bâtiments. Et ouais, ça c'est du PGMisme, je savais exactement qu'il fallait passer par là. Ah ouais, non. ouais, mais comment tu passes? Laisse-moi faire ma truc tactique. C'est quoi ça? Alors je sais pas ce que c'est. Ah, mon portable qui sonne. Oh non. Voyons voir. C'était plus facile tout à l'heure. Ah ouais. Alors moi je suis tout ce qu'il y a de plus intelligent à chaque fois. Bon, déjà, je vais monter par les escaliers. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ah ouais, c'est ça, risque et péril. Je comprends. Des munitions? Des munitions. Des munitions? Des munitions. Ça, c'est du PGMisme. Merde, pas prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Le coin grouille d'agents du sel. Tout le périmètre est placé sous mesure d'interdiction. Bon. Il va falloir m'aider à passer la sécurité. Essaie de créer une diversion du côté de l'église pour éloigner un maximum de troupes de Wall Street. Et où l'église? Puis, ouais, passe par le tunnel d'urgence et viens me rejoindre de l'autre côté. Tunnel d'urgence. Ouais, mais où est-ce qu'il est ton tunnel d'urgence? Ça a l'air d'être quelque chose là-bas d'intéressant. Avançons. Point de contrôle atteint. Ouais, mais c'est pas un tunnel. Ok. Ah ouais, j'aime bien ça. Putain, il lui en faut combien des balles? Oh oui, oh magnifique. C'est quoi ça? C'est bon. Boum. Boum. Reprendre des munitions.
des munitions, connard. J'arrive pas à les prendre. Bon, allez, c'est pas grave, on passe. Ouais, on va pas tenter le diable. Voilà. Ça c'est fait. On passe de l'autre côté. On monte. Oh mince, m'en veux, mes amis. Ah ouais, je dois faire péter le truc, je crois. It's what I remember. Écartons-nous, les amis. Écartons-nous, les amis. Voilà l'église, hein. Mais voilà l'église. C'est où la prochaine explosion que je dois faire? Ah, là-bas. Il y a l'air d'avoir un truc bleu marqué. J'ai tout fait péter ici. Je suis un PGM. Alors. Ok, je dois faire exploser ce dépôt de munitions là-bas. Oh, bug. Oula. Oh my god. Attends, ça c'est pas un... Oh. Moi je fonce, hein. Il joue n'importe quoi. Enfin, il bug. L'IA bug un petit peu là. Bug énormément d'ailleurs. On va foncer. Putain, c'est la carte multijoueur ça. C'est sympatoche. Je la connais, c'est déjà ça. Bon allez, on va faire péter celui-là. Haha. Au moins un frag furtif dans la journée, quoi. Ok. J'ai foiré mon frag furtif. Encore un point de contrôle. On fait exploser. On se casse en courant. Et attention, on regarde. Ok, wow, c'est pas terrible. Merci, des munitions. C'est bon, ça marche, mais... Dirige vers toi. Faut que j'aille où maintenant? Oh là là. Waouh. Ta gueule. Moi je change d'arme. Infiltrer le tunnel. Si je me rappelle bien, le tunnel il est en dessous. Je suis magnifiquement fort, dis donc. Ah non. Wow, il a la cavale, ce bâtard. Elle me fait marrer, cette arme. J'ai mal, n'empêche. Hein. Je crois m'être m'en sorti avec brio et honneur. Hein, mais comment j'y rentre dedans, moi? C'est par en dessous. Je suis trop fort. Je savais que c'était pas en dessous. Ouais. Alors. Oh là là. Moi je suis pas doué pour ce genre de choses. Mais dans la carte multijoueur, je crois qu'on peut passer par en dessous, mais là je vois pas où on peut passer. Bizarrement. Infiltrer, débloquer le tunnel. Et comment on le débloque le tunnel? Qu'est-ce qui se passe quand je suis comme ça? Comment je... Ah. Ah non. Même pas. J'ai pris des risques pour rien. Utiliser. A chaque fois je cherche loin et en fait c'est tout près. Bon, au prochain truc, je pense qu'on arrête. Je sais pas combien de temps ça fait, mais... We'll see. C'est tout bon.
Oh, j'adore cette arme, elle est dévastatrice. Ta gueule. Voilà, je crois que... Laisse-moi tranquille. Arrive, fight, que arrive. Ça va un petit peu, se passe 12. Eh, hey, pourquoi elle s'est ouverte là, la porte? C'est du louche. Je compte sur toi. On se retrouve de l'autre côté. Salut. Bonjour. Je suis comme ça. Bon, allez, on fonce, on s'en fout. Waouh. Invisible. Alors. Mais tu vas plus vite que moi. Un point de contrôle. Ah non, nouvelle musique déverrouillée. Ah, j'ai failli vous avoir. Ah, bah je pense que ça va être un point de contrôle. Bon, on finit la cinématique et après j'y vais. Bon, écoute. La nanocombinaison 2.0 embarquait toute une panoplie de fonctions biométriques. Du matos de pointe. Un enfer à manipuler. Un agent expédié au front avec ça sur le dos devait être encadré. Ça, c'était mon job. La plus logistique en temps. Wow. Et forcément, ce genre d'intimité, ça crée des liens. Bref, si Prophète t'a fourgué la combinaison, c'est qu'il avait quelque chose en tête. Une fois qu'on t'aura scanné dans la nacelle, on sera fixé sur ses intentions. Attention. Point de contrôle ou pas? Oui. Bon, voilà, ça charge, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Commentez, mettez j'aime, allez sur ma page Facebook, réagissez sur mon topic JVC. Et bah, je peux vous dire quoi. Ouais, bon jeu, geekez bien, surtout les joueurs de PS3. Ils sont contents, les joueurs de PS3, hein. Bon, allez. Peace les mecs.